Sur cette affiche, des Guadeloupéens et Guadeloupéennes à différents moments de leur vie, mais avec la même crainte, celle de la circulation des armes. Ne laissons pas la Guadeloupe à la merci de la violence et des armes. Agissons ensemble et déposons. Jusqu'au 31 décembre, chaque Guadeloupéen détenteur d'une arme est invité à la déposer en gendarmerie, au commissariat ou auprès de la police municipale. En échange, si l'arme n'a pas servi, il n'y aura aucune poursuite judiciaire. Aujourd'hui, procureurs, préfets et forces de l'ordre ont officialisé la campagne 2019. L'occasion de rappeler que si les chiffres de la délinquance sont en baisse, il faut continuer à lutter contre la violence et la circulation des armes dans l'archipel. Il s'agit là de cibler exactement un public bien particulier qui est celui domestique, hein, qui peut se retrouver avec un héritage d'un grand-père qui est décédé ou avec une arme de chasse qui n'est plus utilisée. Donc on n'est pas sur la question de l'éradication des trafics d'armes qui fait l'objet là, des actions de la police et de la gendarmerie. Les médias, en partenariat avec la préfecture, ont pu signer une convention ce matin afin de diffuser l'information aux plus nombreux. Ce message sera partout, lignes de bus, affichage urbain et même boîte à pizza. La campagne se veut massive. Tant que nous n'aurons pas asséché les viviers, nous la poursuivrons. Et puis c'est une opération, j'insiste, d'éveil de conscience. C'est une opération, déposons les armes. Ça n'est pas une injonction, c'est prenons conscience tous ensemble de la dangerosité des armes. Depuis la première campagne de 2013, l'opération a permis de détruire près de 700 armes et plus de 11 300 munitions.